Bonjour, je m'appelle Sandra Thirou, j'ai 23 ans, je suis étudiante en deuxième année de commerce. Je souhaite poursuivre jusqu'à l'obtention d'une troisième année dans le domaine des ressources humaines afin d'évoluer dans un métier à dimension humaine. Mes passions dans la vie sont la cuisine et la danse. Je pratique la salsa cubaine. Bonjour, je m'appelle Manon Sabaté, j'ai 19 ans. Je fais mes études à Pau, où je viens de rentrer en deuxième année de licence d'espagnol, car je souhaiterais devenir professeur d'espagnol. Je suis passionnée d'équitation, que je pratique depuis l'âge de 2 ans. Et dès que j'ai du temps libre, j'en profite pour faire des voyages. Bonjour, je m'appelle Laetitia Ebram, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en BTS d'esthétique cosmétique afin de travailler au sein d'un laboratoire. Je suis passionnée de danse depuis tout petit et il y a 2 ans, j'ai découvert une autre passion, la photographie, que ce soit en tant que modèle ou photographe amateur. Bonjour, je m'appelle Mélodie Quinfac, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en BT coiffure seconde année pour devenir un auteur professionnel. Mes loisirs dans la vie sont la danse, jazz contemporain moderne que je pratique depuis l'âge de 7 ans. Mes passions dans la vie sont la mode, le shopping et la nature. Bonjour, je m'appelle Alizée Gastaldo, j'ai 18 ans. Je suis en fac de langue étrangère appliquée à Toulouse. J'aimerais poursuivre mes études dans le tourisme et dans le commerce international. Je suis passionnée de danse, de musique et de mode. Bonjour, je m'appelle Myriam Magalès, j'ai 18 ans, je suis actuellement en dernière année de bac pro commerce. Je souhaite poursuivre mes études dans un BTS dans le but de créer ma propre activité. Je pratique l'équitation depuis l'âge de 7 ans. Bonjour, je m'appelle Coralie Jacomet, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en DUT GEA, donc gestion des entreprises de l'administration à Auch. Je souhaite plus tard travailler dans le commerce. J'aime beaucoup le rugby, le vélo et la danse. Bonjour, je m'appelle Emily Fuji, j'ai 22 ans. J'ai effectué 4 années d'études dans le stylisme. Actuellement, je suis conseillère textile dans le domaine du sport. D'ailleurs, côté loisirs, je suis basketteuse, ce qui permet d'allier mon travail et ma passion. Bonjour, je m'appelle Emilie Nevart, j'ai 21 ans. Suite à l'obtention de mon BTS négociation et relations clients, je réalise actuellement un service civique au sein de l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron, où j'aide des personnes en difficulté à apprendre à se gérer lors de tâches de la vie courante. Passionnée de photographie, je réalise en parallèle avec mon service civique une formation de reporter photographe afin de donner vie à mon rêve.
Bonjour, je m'appelle Julie Dupuis, j'ai 23 ans. J'ai fait des études de stylisme et modélisme et je travaille actuellement dans le commerce. J'ai pour projet de me réorienter dans la puériculture. Et je suis passionnée d'équitation et de sport collectif. Bonjour, je m'appelle Jennifer, j'ai 20 ans. Je fais des études en sciences de la nature biochimique dans le but de devenir chercheur plus tard. J'ai des passions, j'aime bien voyager, j'aime bien danser, la musique. Bonjour, je m'appelle Chloé Dupont, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en deuxième année à l'école d'ingénieur agronome de Purpan, donc à Toulouse. Mes principales passions sont l'équitation, le cinéma, mais je souhaiterais ici mentionner aussi ma famille qui est très importante pour moi et qui m'accompagne dans tous mes projets. Bonjour, je m'appelle Myriam Stad, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en troisième année de droit dans le but de devenir notaire. Et pendant mon temps libre, je pratiquais un peu de sport, notamment de la boxe, et je suis aussi passionnée de danse. Bonjour, je m'appelle Tiffany Zuba, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en terminale sciences du management de la gestion dans le but de préparer un BTS dans les ressources humaines et dans la communication. Ma grande passion c'est l'équitation. Je pratique avec mon cheval depuis un certain nombre d'années maintenant.